Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuose. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très très importante pour le futur de ma chaîne. Je comptais vraiment pas faire ce genre de vidéo, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Je voulais vraiment pas déjà. Mais là, c'est vraiment un peu trop. Donc, s'il vous plaît, avant de commencer à critiquer dans les commentaires, à mettre des dislikes, m'insulter, bref, tout ce que vous voulez, écoutez bien ce que j'ai à dire avant de commencer à parler, etc. Parce que c'est surtout principalement de ça que je vais parler. Même si on peut pas forcément les éviter. Mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je vais révéler, je vais donner des informations. Vous allez me répondre dans l'espace commentaire. Parce que si ma chaîne fonctionne, c'est grâce à vous. Et si vous, vous regardez mes vidéos, c'est parce que ça vous plaît. Et du coup, c'est important d'avoir votre avis. Voilà, bref. Donc, vous savez que ma chaîne est, 40 000 abonnés, c'est énorme, merci. Je vous remercie sur les réseaux sociaux à chaque fois. What the fuck, ce bug de texture. What the fuck. Bref. Donc, vous le savez que je sors régulièrement des vidéos très très souvent. Et avant de sortir ces vidéos, je vous demande votre avis sur les réseaux sociaux. Donc ça, toutes les personnes qui me suivent sur Twitter et Facebook ne peuvent pas le nier. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur mon groupe Facebook, ma page Facebook ou mon Facebook personnel, je demande toujours l'avis de mes abonnés pour sortir une vidéo. Donc là, j'ai vu qu'avec la vidéo du DLC, donner mon avis, ça n'a pas forcément plu à beaucoup de monde, mais j'y reviendrai un peu après. Donc je demande toujours l'avis de mes abonnés. Et lors de quand j'avais demandé ce que vous voulez de si vous voulez que je vous éclaire sur le DLC, qu'est-ce que vous en pensez, bref, j'avais demandé un peu ça. Et après il y en a qui ont demandé oui, explique-nous un peu, parce que nous les autres youtubeurs n'ont pas bien expliqué. Donc du coup je me suis permis de faire une vidéo. Contrairement que le seul problème, c'est que quand j'ai sorti cette vidéo, j'ai vu les critiques partir en boucle. Que ce soit des insultes ou même des critiques, alors que les personnes n'avaient pas forcément regardé la vidéo en entière et les personnes n'avaient pas forcément écouté ce que j'avais dit. Beaucoup de personnes n'écoutent pas les vidéos, écoutent un quart de la vidéo et après se mettent à critiquer, insulter. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai du mal à supporter ce genre de critiques, même si je peux pas les, je peux pas passer à côté. Je suis obligé de me faire critiquer. Voilà, quand on monte sur YouTube, tout le monde se fait critiquer, c'est obligé. Mais avant je n'avais pas ce genre de commentaires. Et du coup c'est assez important que je fasse cette vidéo là. Déjà je voudrais savoir pourquoi vous critiquez mes vidéos. Ok, peut-être que je me suis trompé pour le DLC. Mais de plus j'ai pas dit que c'était un fake. J'ai pas dit que c'était pas un fake non plus. J'ai donné mon opinion sur le DLC. Et des gens ont commencé à dire que je mentais, que je disais de la merde, etc. Je n'ai donné que mon opinion. C'est à dire que j'ai fait comme tous les gens font, donner leurs avis et parler tout simplement d'un sujet comme les débats que je fais. Et après, vous pouvez répondre. C'est exactement ce que j'ai fait, mais les gens n'ont pas forcément compris que qu'il fallait écouter, qu'il fallait essayer de comprendre et que c'était mon avis. Les gens ont pensé que je disais que le DLC était fake, donc du coup je contredisais des youtubeurs. Et du coup, ça leur plaisait pas forcément que je contredise des youtubeurs. Mais écoutez, les youtubeurs, moi je demande l'avis à mes abonnés tout simplement pour savoir ce qu'ils en pensent. J'avais proposé un petit truc il y a une semaine, mes abonnés ont dit non. Et je l'ai pas fait tout simplement parce que ça ne leur avait pas plu. Mais les youtubeurs, d'autres youtubeurs, beaucoup de youtubeurs font des vidéos tout simplement pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire que des youtubeurs vont tout simplement vous parler des futurs DLC parce que vous n'attendez que ça et vous allez tout simplement l'écouter et vous allez croire, et quand la mise à jour va sortir, et vous n'allez pas avoir cela, et donc du coup après vous allez vous en prendre à cette personne. C'est exactement à peu près ce que je voulais faire passer comme message dans la vidéo du DLC, mais apparemment le message n'est pas passé. C'est dommage d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont liké, qui m'ont soutenu, merci. Beaucoup de personnes m'ont critiqué, beaucoup de personnes disent que ma chaîne se dégrade, etc. Je ne vois pas pourquoi, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Elle va pas être très longue, surtout explicative, donc j'espère que les gens l'écouteront jusqu'au bout.
Vous savez que j'ai pas mal de séries en cours actuellement sur ma chaîne. Alors je vais tout simplement vous demander de me dire en commentaire les séries que vous aimez et que vous voulez garder. Les séries que vous ne voulez plus, vous me le dites aussi. Comme ça, moi je fais un peu le tri. Je garde que les séries que vous appréciez. Donc je rappelle un peu mes séries. Donc il y a les couleurs classe. Ça, je pense que vous êtes la majorité à kiffer. Les couleurs classe, tenue classe, top 5 plus belles voitures, le rusher de l'extrême. Il y a quoi d'autre? Il y a des petits montages que j'upload d'autres youtubeurs qui font des montages assez magnifiques sur GTA V. Il y a quoi d'autre aussi? Les FAQ. Les FAQ. Il y a quoi d'autre? Les FAQ, top 5, couleurs classe. Je pense avoir fait le tour en tout cas. Et donc du coup, dans les commentaires, vous me dites à peu près ce que vous ne voulez plus que je fasse comme vidéo. Parce que voilà, sans vous, moi je suis rien. Sans moi, vous êtes tout. Voilà, tout simplement. Mais sans vous, moi je suis rien. Et j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose qui ne vous plaît plus. Je vois que les critiques s'enchaînent de jour en jour sur mes vidéos. Je vois que les dislikes montent en flèche. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai un peu envie que cela redescende et que ça revienne comme avant, c'est-à-dire j'avais énormément de likes et très peu de dislikes. Du coup, j'aimerais bien savoir votre avis. Sachez que les glitches sont très très durs à trouver. Avec Venger, on a énormément de mal. On est sur beaucoup de pistes, mais on a énormément de mal à les trouver. Donc les glitches, il va falloir attendre encore un peu. Je peux pas vous sortir des glitches tous les jours sur GTA V. Après, je peux vous sortir des glitches qui seront complètement inutiles, mais je pense pas que ça va vous plaire. Après, il y a des vidéos astuces. Après, les vidéos infos, je vais arrêter tout simplement. Je l'avais déjà dit. Mais là, c'était la vidéo que j'ai sortie pour donner mon avis. J'aurais plus dû l'appeler débat au lieu de l'appeler info. D'ailleurs, je vais renommer le titre. Je vais tout simplement l'appeler débat. Comme ça évoquera un peu moins les soupçons de quoi que ouais, je dis fake et bref. Comme ça sera tout simplement un débat. Mais je pense vraiment réellement arrêter tout ça. Parce que je vois que ça vous plaît pas du tout. Je vais attendre que Rockstar valide des trucs. Je ferai les vidéos quand il y aura les mises à jour qui seront sorties. Comme d'habitude. Mais je vais franchement arrêter de faire ce genre de vidéo. Même si je l'avais dit. Là, la vidéo que j'ai sortie il y a quelques heures, c'était plus une vidéo à peu près débat. Je vais remodifier le titre comme je vous l'ai dit. Et du coup, voilà. Donc voilà, vous dites dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, ce que je viens de dire. J'étais sincère, bien évidemment. Vous pouvez critiquer si vous voulez. Faites ce que vous voulez en tout cas. Mais donnez votre avis dans l'espace commentaire pour les séries que vous voulez que je garde, les séries que vous voulez pas que je garde. Bref, un peu tout le patatras. Je viens d'exploser mon avion de chasse, c'est super génial. Vous me dites un peu tout ça, les vidéos infos. Je vais tout simplement arrêter. Je vais continuer à vous demander votre avis sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez m'ajouter si jamais ça vous tente. Mais vous me dites ce que vous en pensez de ma chaîne, ce que vous voulez que je continue, ce que vous voulez que je continue pas, bref, un peu tout ça. Vous faites le point sur ma chaîne de ce qui va pas. Et après, bah, peut-être qu'on va pouvoir trouver un moyen de s'entendre tous ensemble. Comme ça, je recevrai pas de critiques. Les likes seront présents, les dislikes seront présents parce que je sais qu'il y a des rageux que je connais qui dislike mes vidéos alors qu'ils ne les ont pas regardées, ça je le sais, donc je sais que j'aurai un minimum de dislikes sur mes vidéos. Mais voilà, vous me dites dans l'espace commentaire ce qui va pas. Et du coup moi je ferai un peu le point sur ma chaîne, je ferai un peu le point sur les réseaux sociaux. Donc vous venez me suivre, je ferai un peu le point ce week-end. Et du coup bah, on repartira sur de nouvelles, à peu près de nouvelles bases. Tout simplement la semaine prochaine ou même dès aujourd'hui, dès la sortie même de la vidéo. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous demander de liker ni de la partager. Je vous demande tout simplement de me donner votre avis sur ma chaîne. Et du coup nous on va se retrouver dans de prochaines vidéos qui arriveront très prochainement sur ma chaîne, du GTA V ou même du Call of Duty. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.